Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je vous fais la vidéo, la fameuse vidéo qui devait sortir lundi dernier et qui n'est pas sortie parce que j'ai eu tout un tas de trucs à faire, je suis allée chez mes parents du week-end, du coup ce qui fait que j'ai pas pu filmer la vidéo, mais du lundi j'avais des papiers à faire, etc. 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 Et ce qui fait que bah, la vidéo je la filme qu'aujourd'hui, mais voilà, j'ai pris quand même du temps pour vous filmer cette vidéo parce que ça me tenait à cœur, parce que je vous l'avais demandé, vous m'avez dit oui cette vidéo-là, donc je vais faire cette vidéo-là et donc je vous la fais et voilà, j'espère que vous portez très bien, j'espère que les vacances se passent bien pour vous, j'espère que ben, le travail se passe bien pour ceux qui travaillent et ben moi je ne suis ni en vacances ni au travail, mais voilà, je fais des papiers, écoute. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous l'aurez compris, c'est la vidéo pinceau Max & More. Donc on va tester les pinceaux Max & More que j'ai achetés dans le dernier haul Action. Donc il s'agit bien de ceux-là. Voilà, donc vous les voyez, ils ont déjà été utilisés parce que j'ai créé ce make-up avec ces pinceaux. Et du coup, ben, vous allez voir ça juste dans les images qui suivent. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui continuent de me suivre, qui me soutiennent, qui viennent me joindre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je vous remets juste ici. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous aura plu. Du coup, je commence par ma base. Donc c'est la Max & More, c'est celle-ci, c'est celle-là. C'est la hydratante, je pense. Ouais, c'est la hydratante. Donc de chez Max & More, trouvée chez Action. Voilà, donc je mets environ 2 pompes. Donc une fois que j'ai fini ma crème hydratante, je vais appliquer mon fond de teint. Donc là c'est un fond de teint que je vais tester. Je profite de cette vidéo pour faire une vidéo 100% Action. Du coup j'ai trouvé ça chez Action et je vais tester. Donc là c'est le Fondation Max Factor X Lasting Performance. Donc au niveau des teintes, il n'y avait pas de testeur, il n'y a rien du tout. Et bah, j'ai pris du coup la teinte la plus claire, mais je ne sais pas du tout si ça va m'aller. Donc si ça ne me va pas, j'essaierai d'aviser de tricher ou j'en profiterai pour vous montrer. Une technique pour utiliser un fond de teint trop foncé pour vous, même si il est trop foncé pour vous, sans que sans que pour autant ça se voit. Du coup, voilà. Et du coup, je vous ai pas dit, mais c'était la teinte qui est juste là, n'importe quoi. Bon, je reprends l'emballage. Donc c'est la teinte 104 Warm Almond. Donc voilà. Et normalement, je suis vraiment dans les lights. Genre, ben, de toute façon, ça se voit. Je suis hyper blanche. Donc je pense qu'il va être un peu trop foncé pour moi. Mais c'est rien, j'aviserai si vraiment ça va pas. Je vous montrerai une petite astuce pour quand même utiliser le fond de teint, même si ça vous va pas. Voilà, y a toujours un moyen de rattraper les choses. Du coup, je vais prendre mon pinceau. Donc celui-là, c'est un pinceau fondation. Donc en gros, c'est le pinceau... pour appliquer le fond de teint. Moi, je vous le dis cash, j'aime pas appliquer le fond de teint avec les pinceaux. Bon, aujourd'hui, je vais faire un effort pour vous faire la vidéo. Du coup, celui-là, c'est le F06. Et du coup, c'est le fondation. C'est le pinceau comme ceci. Voilà, de... ben, du coup, chez Action, Max & More. Je vais appliquer. Ah, c'est un peu trop bizarre avec le pinceau. Bon, déjà, pour le fond de teint, il a une bonne couvrance parce que si vous aviez vu au début de la vidéo, j'avais des marques de boutons que j'ai percées comme une débile. Et du coup, elles ont été bien cachées par le fond de teint. Donc déjà, pour la couvrance, il est bien. À voir s'il bouge pas trop, mais pour la couvrance, il a l'air bien. J'ai pas de traces de pinceau, j'ai pas de. Enfin, voilà, j'ai des démarcations parce que j'ai pas l'habitude de faire ça au pinceau, mais. Mais voilà, et puis le fond de teint, pour le coup, il a quand même bien couvert mes imperfections. Bon, du coup, je vais passer au concealer. Donc, le concealer, c'est quelque chose que je n'ai jamais utilisé non plus. Ça vient d'une palette que j'avais achetée chez Action, donc c'est celle-ci, donc c'est la concealer bronzer. Et du coup, je ne l'ai jamais utilisée. Je l'avais achetée chez Action, mais je ne l'ai jamais utilisée. Elle se présente comme ceci. Bon, si vous me suivez beaucoup dans les vidéos, vous l'avez vu en fait dans une vidéo où j'ai utilisé le miroir.
Et j'avais fait tomber, du coup ça avait fait un gros trou dedans, j'étais trop blasée. Mais voilà, du coup on a trois teints en, on va dire crème, si je peux dire ça, et deux teintes en poudre. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est tout test, hein. On teste les pinceaux, la palette, tout. Je vais reprendre le même pinceau et du coup je vais commencer par la couleur la plus claire. Donc avec ça, je vais faire en espérant que c'est pas trop foncé. Je vais faire mon dessous des yeux. Ça va, c'est pas trop clair, mais c'est pas trop foncé. Je vais peut-être bien l'aimer cette palette, j'ai jamais utilisé, mais du coup elle a l'air bien. Bon, voilà, je vais faire ici avec. Pour l'instant, pour ce premier pinceau, je le trouve vraiment cool. Si je peux dire ça comme ça. Il est assez cool. Je vais en mettre léger sur le menton. Enfin, léger, je crois que c'est raté pour le léger parce que du coup, je viens de tremper le pinceau comme une ouf. C'est pas grave, je vais en mettre ici. Et ici pour le reste. Et du coup, je vous ai pas. Je vous ai pas montré du coup si le fond de teint était trop foncé, mais parce que du coup, pour le coup, le fond de teint il était bien. Mais si vous voulez une vidéo je perds mes mots. Si vous voulez une vidéo sur comment utiliser quand même son fond de teint quand on s'est trompé de teinte et qu'il est trop foncé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai quelques astuces que je fais moi parce que du coup, j'ai déjà acheté des fonds de teint chez Action, qu'ils étaient beaucoup trop foncés pour moi. Enfin, beaucoup. Il y a des limites, on ne peut pas faire des miracles non plus, mais je veux dire, j'ai déjà acheté des fonds de teint trop foncés pour moi et du coup, j'ai quand même pu les utiliser grâce à ces petites techniques. Quand on n'a pas beaucoup de moyens et que c'est le seul fond de teint qu'on pouvait s'offrir, ben voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir une petite vidéo sur ça. Ça fait déjà 10 minutes que je filme et je n'ai fait que ça. Voilà. Bon, vous allez me dire, au moins j'ai testé le pinceau et j'ai fait les choses bien, mais quand même. Bref, maintenant je vais faire le contouring en, du coup en crème. Je vais faire les deux, contouring et poudre parce que c'est ce que j'aime faire d'habitude, donc je vais faire comme à mon habitude, ça me gratte, j'ai l'impression d'avoir des poils dans la figure. Du coup, je vais prendre la teinte la plus foncée de la palette, comme ceci. Bah, je prends toujours le même pinceau, hein, voilà, un pinceau c'est un pinceau, en plus là c'est un pinceau teint, du coup, voilà. Je vais venir sous l'os, voilà, comme ça, sous l'os, oh là là, mes cheveux. Du coup voilà, je suis sous l'os, je trace. Voilà, et je vais remonter comme ça avec mon pinceau teint. J'ai fini mon contouring. Et j'ai fini aussi avec ce pinceau qui est vachement bien, je dois le dire, parce que ben faut, quand c'est bien, faut le dire. C'est du coup un bon pinceau. Je viens de faire tout mon teint juste avec lui. J'ai pas de traces de pinceau. J'ai pas eu de complications. Ça n'a pas été compliqué à faire. Il s'est bien étalé. Il a bien déposé la matière. Et il est doux. Donc voilà, je recommande le pinceau F06 Fondation. Niveau poudre, maintenant, je vais continuer donc avec ceci pour mon contouring poudre du coup, et je vais utiliser donc un autre pinceau de chez Action, donc celui-là ça va être pour le blush. Je vais prendre celui-là, donc c'est le F04, du coup c'est un gros pinceau comme ceci, et je vais appliquer ma poudre. Donc j'avais pris la palette, mais non, en fait c'est ma poudre que je vais appliquer.
Donc je vais appliquer ma poudre matifiante d'abord. Donc c'est la Compact Powder Matte de chez Action. Donc c'est Max & More. Et c'est la 101 Sandstorm. Donc je prélève la poudre et je vais tapoter mon œil. Histoire de fixer le tout. Aussi. En fait, je fais toutes les zones où j'ai enluminé avec cette poudre et le reste, je le fais avec le bronzer en fait. Voilà. Je reviens plus sur mes mots cette vidéo, pardon. Cacahuète. Voilà, donc pour ce pinceau, c'est tout ce que je fais avec. Je poudre toutes les zones que j'ai enluminées, ma zone T et ici. En fait, quand vous faites votre contouring, logiquement, vous faites 1, 3, vous venez du front vers là et ensuite vous revenez comme ça. Sauf que moi, je déteste faire la fin. Donc, je fais que mon bronzer comme ça et ensuite je fais mon contouring du nez et fini. J'enlumine ensuite là, comme vous avez pu le voir, mais je mets jamais de bronzer ici parce que j'ai toujours peur d'avoir une démarcation, donc je ne le fais pas. Donc du coup, avec ma poudre matifiante, je viens faire le bas de mon visage. Voilà. Donc voilà pour ce pinceau qui est également doux, souple. Vraiment souple. Ils sont doux, ils ne perdent pas leur poil. Et j'en avais déjà utilisé quand j'ai fait la vidéo pour cela et au lavage, ils sont top à laver. Ils sont facilement lavables, ils perdent de pas leur poil. Et voilà, enfin bref, c'est des bons pinceaux quand même, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour ce pinceau. Ensuite, il est où le petit pinceau poudre? Il est juste ici. Donc ensuite, je vais prendre le petit pinceau poudre comme ceci. Et je vais faire. La poudre du contouring. Donc pour faire mon contouring, donc pareil, je prends une palette Action, je prends celle-ci, c'est la Gorgeous Face Collection numéro 977 Cantici exclusive. Et du coup, je prends la teinte qui est entre les deux, donc pas la plus claire, pas la plus foncée, juste celle-ci. J'en mets comme ça sur mon pinceau, je prends mon miroir et ensuite, pareil, je vais tracer légèrement là où c'est déjà un peu foncé, j'ai envie de vous dire, comme ceci, et ensuite je fais des petits mouvements circulaires en remontant pour juste déposer un peu la matière, mais que ce soit pas trop 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 foncé au niveau de mon contouring quand même, pour pas avoir une grosse démarcation. Le but étant juste de faire un petit coup de bronzer. En sachant que moi, quand je fais le contouring, j'aime bien quand ça se voit beaucoup. Voilà, je bronze juste cette partie de mon visage. Et ensuite, c'est tout. Je refais pas le contouring du nez parce que du coup, je l'ai poudré et après, ça se voit trop fort à mon goût. Et du coup, je fais que ça avec ce petit pinceau. Ensuite, au niveau de l'highlight, je vais changer de palette cette fois. Donc, je mets tout de suite l'highlight et le blush. Donc, je vais peut-être d'abord mettre le blush. Donc, je prends ce pinceau. Donc, celui-ci, c'est le numéro F10. Donc, c'est le petit pinceau biseauté. Voilà. Il est très doux aussi, enfin ils ont tous la même qualité. Ils sont doux, ils sont agréables à passer sur la joue et tout. Enfin bref, ils sont trop bien. Voilà. Ensuite, je prends donc le blush de chez Max & More, le powder satin et du coup, c'est le 110 Pink Sand. Je tapote léger parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ensuite, je viens faire des petits mouvements en remontant le long de ma pommette. Juste au-dessus de mon contouring pour pas avoir une grosse joue. Enfin, une grosse joue. J'aimerais bien avoir des grosses joues. Mais pour bien définir la joue, quoi. Enfin, c'est ma manière de faire. Après, je suis pas une pro. J'ai déjà dit. Je fais montrer ce que j'aime faire et
Bah, si ça plaît, tant mieux. Bon, je suis désolée si je regarde plus là, déjà j'ai l'habitude de me regarder tout le temps. Et en plus de ça, je me maquille avec le retour caméra. Et du coup, j'espère que ce sera bien fait. Mais voilà, on passe ensuite au contouring. Et du coup, pour le contouring, le l'highlighter, voilà, je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour le blush. Voilà, pour le. Je reprends le pinceau que je ne vous avais pas dit du coup pour que j'ai poudré mon contouring avec. Du coup, c'était le H41. Voilà, c'était le petit pinceau, genre petit pinceau bout, je sais pas, enfin bref. C'est le petit comme ça. Et je vais mettre mon highlighter avec. Donc pour l'highlight, je prends la palette Mickey Shine and Define. Define. Et voilà. Et du coup, celle-ci, c'est la 623. Et je vais prendre l'highlight du milieu. Voilà, je vais pas prendre l'or. Et je vais pas prendre non plus le bleu. Je vais juste prendre celui-là. Et du coup, l'highlight, lui, je le dose. Parce que j'adore trop l'highlight. Et voilà. Et du coup, je passe juste là, ici. Je saurais pas trop vous dire que c'est quand c'est l'ossature en fait. Voilà, je mets en avant mon ossature. Voilà, du visage. Comme ceci. Et sous mon sourcil également. Et je vais pareil là. Je vais prendre du bleu. Hein. Il va briller ce make-up, moi je vous le dis. Donc ensuite, je fais le bout de mon nez. Légèrement en entre-yeux, là, ici, au niveau de mon nez. Et ensuite, je fais à lèvres. Ah bah, elle brille bien, tiens. Voilà, pour tout ce qui est teint, on en a terminé là. Ensuite, je vais ranger les pinceaux. Donc, voilà. Donc, ensuite, pour les yeux, je viens appliquer ma base à paupières de chez Max & More, toujours. Donc là, c'est la Eyeshadow Primer, Illumine et Primer. Je vais regarder si j'ai bien fait un peu un poil à l'œil. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, donc je prends ma palette Galaxy. Donc c'est la Moonlight Infinite Beauty Moonlight Eyeshadow Palette. Voilà, vous m'avez demandé d'autres vidéos make-up avec cette palette. Du coup, je profite de cette vidéo test de pinceau pour vous refaire un make-up avec la palette Moonlight. Du coup, je vais prendre les pinceaux de chez Action pour terminer J'ai un poil qui me gêne sur le visage. Pour terminer de faire cette vidéo test de pinceau. Et du coup, je vais prendre ce pinceau-là. C'est le E28. Donc, c'est l'espèce de petit pinceau plat mais fluffy. Je vais prendre avec. Je vais essayer de prendre des couleurs que j'ai pas pris la dernière fois. Ça va être compliqué. En plus, je suis en rose. Du coup, c'est un peu dur. Je vais prendre le bleu qui est là. Il me parle bien. Ça va être bleu tout ça. Donc, du coup, c'est le Triton. Et je vais l'appliquer en demi-creux de paupière comme ça. Enfin, je sais pas, je vais essayer de. Je suis tout le temps là en mode de, je teste des trucs dans mes vidéos. En tout cas, niveau pigmentation, c'est énorme. Je vais essayer d'étirer. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. J'essaye d'étirer comme ça. Sans trop dépasser quand même. Donc, je l'ai appliqué juste en coin externe. Et juste avec ce que j'avais sur mon pinceau, j'ai étiré comme ça. Donc le but, c'est pas de venir jusqu'au creux du coin interne. Hein. C'est juste de rester là pour l'instant. Je trouve que ça fait pas mal. Du coup, je vais rester comme ça. Du coup, pour le bleu, c'est bon. Ensuite,
Aidez-moi, s'il vous plaît, dites-moi là quelle couleur. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'aurais dû poster une photo et vous demander avec les noms quelle couleur vous voulez que j'utilise. Ça serait beaucoup, je trouve, ça serait rigolo. Dites-moi également si vous voulez ce genre de vidéo où vous me donnez des couleurs et que je dois les utiliser. Ça serait vraiment rigolo. Là, avec mon doigt, je vais prendre la Titania. Donc, c'est cette petite couleur qui est juste ici. Je vais la mettre. Non, je vais l'utiliser à la fin, cette couleur. Pense où je la j'utilise maintenant. Moi, je vais l'utiliser maintenant avec mon doigt et je vais la mettre partout sur ma paupière mobile. Donc ensuite je reprends le même pinceau que tout à l'heure, donc c'est toujours le E28 et je vais prendre la Petus juste ici pour juste refaire redescendre un peu le foncé, je sais pas comment m'expliquer. Un petit fondu un peu plus fondu, donc je refais mon coin, mon creux d'œil, mon creux de paupière quoi, avec cette couleur là et j'ai re-intensifié comme ceci et du coup je repasse sur mon creux de paupière pour que ça fasse léger moins bleu, mais on voit toujours le bleu quand même. Ensuite, je vais changer du coup de pinceau et je vais venir avec ce petit pinceau plat. Voilà, les pinceaux plats en général, sur les pinceaux plats parce qu'en général ils sont durs. On peut rien. En fait, j'avais déjà acheté ce pinceau chez Action et il est dur. Genre, on peut pas faire. Il fait mal limite à la paupière tellement il est dur. Il y a que celui de chez Beautiful Box que j'aime bien parce qu'il est bien mou et tout. Et celui-là, il m'a l'air d'être bien mou, mais encore plus que lui de Beautiful Box. Voilà, il est fort plat et il est fort mou. Du coup, je pense que je vais l'utiliser. Prends lui. Et du coup, je fais. C'est un F18. Je fais n'importe quoi. C'est un F18. Je vais prendre la Mima, qui a l'air vraiment très jolie. J'hésite entre la Mima ou la Charonne. Je vais prendre Charonne parce qu'elle tire un peu dans le bleu et c'est un peu ce que j'ai fait juste là. Donc je vais la prendre. Voilà, je prends Charonne. Je tapote et je vais en mettre juste ici, là. J'espère que ça va se. J'avais vu une astuce sur la chaîne de Sananas. Je vais tester ça. En fait, il suffit de faire ça. Genre, on prend un peu de. Et on en rajoute genre par-dessus. J'espère qu'il va mieux, je regarde même pas. Et ça intensifie le fard en fait. Donc j'espère que ça va marcher. Je m'essuie les doigts. Et ensuite voilà, je vais reprendre. Donc je reprends la Charonne. Et du coup, est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Voilà. Donc, j'en mets là. Et j'en mets là. Donc ça fait un joli petit pouf de lumière. Et du coup, avec mon doigt, je vais prendre l'anima et je vais en mettre juste au milieu. Ça va être pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Juste pour avoir un petit coin de lumière. Pas que ce soit tout foncé ou tout clair. Juste léger. Ah, je me suis foutu le doigt dans l'œil. Bon, ça donne ceci, les amis. Bon, désolé, j'en ai plus petit. Je viens de me mettre le doigt dans l'œil. Ça fait super mal. Je vais frotter mon pinceau plat que je viens d'utiliser pour le celui-ci. Donc, c'était le F18. Je vais reprendre le marron, donc c'était le Titania, c'est ça, non? C'était Titania que j'ai pris tout à l'heure. Le Titan. Bref, je prends le Titania, du coup, je sais plus.
Donc je le prends sur le bout du pinceau. Bon, j'en ai un peu beaucoup. Je le prends comme ça sur le bout du pinceau et je vais en mettre genre sur mon... J'ai toujours peur d'avoir de la poussière dans l'œil. A pas de pinceau au bout. Je sais même pas si j'en ai mis assez. Je sais même pas si c'est un ami. C'est trop irisé. Bon, de toute façon, vous allez me dire, irisé, je me plains. Pas irisé, je me plains. Je me plains, quoi. Je vais prendre du bleu. Je vais mettre du bleu. Oh, j'ai bousillé ma palette. Je vais rajouter du bleu parce que j'ai l'impression que... que j'ai fait, ça se voit pas. Donc je rajoute du bleu et ici je mets du marron là. Bon, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon eyeliner. Bon, ça c'est pas un de chez Action, du coup il n'y a pas vraiment grande utilité à vous montrer. C'est le eyeliner pen de chez Essence, c'est celui-ci, un waterproof, mais disons que dès que j'ai une crise d'allergie, ça s'envoie, donc c'est pas vraiment waterproof. Bref, je mets mon eyeliner et je reviens. Bon, après je ne sais combien de minutes à essayer de faire un eyeliner pareil qui n'est pas pareil, parce que celui-là il part plus par là et celui-là plus par là. Faut pas le dire. Voilà, je vais recourber mes cils avec cet appareil. Il ne fait pas mal, mais il faut pas trop en abuser non plus, sinon vous allez tout casser vos cils. Et ensuite, je vais utiliser ce mascara. Donc, c'est le Miss Sporty Studio Lash 3D Volumatique Mascara. Je connais jamais les mascaras par cœur parce que je change beaucoup. Et même ceux que j'utilise tous les jours, je les connais pas par cœur. Donc, voilà, je ne saurais pas vous dire le nom de mes mascaras favoris. Parce que, voilà, c'est pas... Je sais juste que c'est chez Kiko, mais voilà, bref. Donc, voilà. Donc, là, je mets le mascara que j'ai acheté chez Action. Tout le monde l'adore, apparemment. Et moi, c'est juste la deuxième fois que j'utilise. Après, voilà, je ne déteste pas. Je le trouve joli, mais comment dire, on ne se connaît pas nous deux. Voilà, je ne l'ai pas utilisé assez pour... Je ne l'ai pas utilisé assez pour dire que je l'aime bien. Mais après, quand je l'utilise, il ne me fait pas des cils tout moche, hein. Voilà, on va s'arrêter là. Avant le carnage. Ensuite, je passe aux sourcils. Il y a un petit pinceau biseauté que j'ai acheté chez Action, juste ici. J'aime bien pour les sourcils. Du coup, je vais l'utiliser avec cette petite palette. Cette petite palette de chez Action. Donc voilà, donc elle se présente comme ceci. Je vous l'avais déjà. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Je vous l'ai déjà présenté. Quand j'ai fait la vidéo VS, donc j'avais utilisé celle-là et l'autre. Donc celui-ci, c'est le pinceau E36. Donc c'est un petit pinceau biseauté. Normalement, c'est pour l'eyeliner. Mais moi, j'ai pris un eyeliner feutre. Et j'utilise ce petit pinceau biseauté, du coup, aujourd'hui, pour essayer de faire mes sourcils. Donc voilà, donc je vous ai pas dit, c'est la palette Max & More A Brown Kit. Oups. En teinte 222, Medium Dark. Et j'ai pris la teinte la plus foncée. Voilà, je vais commencer par dessiner le bas de mes sourcils avec comme ça. J'ai pas vraiment de technique, en sachant que je suis en train de essayer de refaire pousser la tête de mes sourcils parce que la dernière fois j'ai épilé trop, donc ils étaient beaucoup trop fins et je n'aimais pas. Et du coup, je suis en train d'essayer de faire en sorte que ça repousse. Et voilà.
Du coup, je les dessine. Ben, le pinceau, franchement, il va bien. Il dépose bien, bien la matière. Il est très doux. Il est très très doux. Je vais peut-être brosser mes sourcils avec. Ah, ben, voilà, avec le goupillon. Voilà, en plus, ça, c'est un Max & More aussi, je pense. C'est. Ouais, c'est un Max & More. C'est le E39. Voilà, je vais brosser mes sourcils parce que ça me stresse. Voilà. Voilà. Pour celui-là. Et du coup, je vais continuer. Cette fois-ci en tapotant. Et je vais faire ma tête de sourcil. Voilà. Bon, l'autre, je le ferai hors cam. Je veux juste vous montrer. Je vais utiliser ça. Donc ça, c'est un gel à sourcils sous forme de goupillon. Et vraiment, quand j'ai trop la flemme de faire ce que je viens de faire, je le fais en fait. Et des fois, bah, je fais les deux quand j'ai le temps. Mais sinon, j'en utilise qu'un. Je fais ça pour ébouriffer mes cils. Mes sourcils, pardon. Voilà. Et ensuite, ici, je les travaille pour qu'ils ne bougent plus. Comment vous dire, c'est trop. Trop, trop la vie. J'aime trop faire ça. Genre, je sais pas si vous voyez quelque chose de différent jusqu'à depuis tout à l'heure. En général, j'adore faire ça quand j'ai le temps de me préparer. Genre, un petit peu ébouriffé. Là, j'ai vu ça aussi sur la chaîne de Sananas. Mais Sananas, c'est trop ma copine en fait. Je la connais pas, mais de vidéos en fait, j'adore regarder ses vidéos. Elle me donne trop d'idées. Et bref, j'ai vu qu'elle allait ébouriffer ses sourcils. Du coup, j'ai essayé et j'adore. Du coup, je le fais et ça change. Genre, ça change toute une tête. Mais vraiment, genre, je trouve que ça fait vraiment trop beau. Bref, je fais le travail et on se retrouve. Donc, j'ai terminé au niveau des sourcils. J'ai fait les deux pareils. Voilà. Et du coup, pour le rouge à lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres de cette palette là. Donc à l'intérieur ça se présentait comme ceci. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi personnellement j'adore toujours autant ça. Et du coup j'ai pris la couleur la plus foncée. Donc là c'était je sais pas s'il y avait eu un numéro de palette. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de numéro non plus sur le rouge à lèvres. J'ai regardé mais j'en ai pas trouvé. Donc c'est My Nude Lipstick. Il n'y a pas de numéro de teinte, il n'y a rien du tout. Mais c'est en gros celui-là. Je l'aime vraiment. Il fait genre marron. Mais pas vraiment marron en même temps. Je suis désolée si je suis travers. Je suis en train de prendre une palette. Et voilà. Du coup, je sais pas, ça fait un genre de marron. Et je l'aime bien. Voilà pour le make-up que j'ai réussi à faire avec cette petite palette. Donc il n'y a pas de fixateur parce que ben voilà, il n'y a pas de petite Max & More chez Action. Mais du coup ça fait ce rendu-là. Voilà pour le make-up que j'ai réussi à réaliser avec les pinceaux Action et du coup Total Look Action pour le coup parce que j'ai utilisé que des produits de chez Action aujourd'hui. Et voilà, donc à moindre coût, ça coûte vraiment pas cher. Et en plus de ça, bon, on peut réaliser un joli make-up. Bon, mis à part l'eyeliner qui vient pas de chez Action, mais ils vendent du eyeliner chez Action. J'en ai un en pot, mais j'utilise pas parce qu'il fait un transfert sur le dessus de la paupière et j'avais besoin que mon make-up tienne parce que j'ai d'autres vidéos à filmer parce que voilà, j'ai tout un tas de trucs à faire et du coup il faut que je me pré-filme des vidéos d'avance au cas où. Voilà. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère que ce make-up vous a plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de filmer parce que du coup, ça fait une semaine que j'avais pas posté de vidéo. Et voilà, j'ai pas envie de refaire des trous, des jours où j'ai pas envie de où je fais pas de vidéo. Alors, ne plus faire de vidéo pendant un mois, etc. Du coup, j'ai pris un peu de mon temps que je n'avais pas pour faire des vidéos parce que sinon ça me manquait de fou et j'ai pas envie de
d'avoir un manque de YouTube, voilà. Et du coup, j'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui avec tout mon cœur. Et j'espère qu'elle vous plaira. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos Total Look avec d'autres marques. Et lesquelles, surtout. Et dites-moi aussi... Je sais plus, je vous avais posé des questions dans la vidéo. Mais dites-moi tout en commentaire, en fait. Je veux savoir, donc dites-le moi, je vous poserai les questions au moment, quand je ferai le montage, je vous mettrai les questions. Et si vous pouvez me répondre en commentaire, ça me fait plaisir, ça m'aide à savoir ce que vous voulez, ce que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, ce que vous aimeriez plus ou moins voir sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voter pour la vidéo suivante. Donc il y a une vidéo le lundi, une le mercredi et une le vendredi. Et dès que je poste une vidéo, je vous mets un sondage dans la partie communauté de ma chaîne YouTube. Et du coup, n'hésitez pas à aller voter pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir, ça me soutient et ça m'encourage et ça me fait vraiment trop trop plaisir. Et du coup, voilà, je vous aime vraiment de tout mon cœur. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner, qui font monter ma communauté. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.